Sur ma chaîne pour un petit tour avec un principe que beaucoup de magiciens connaissent, mais bon, voilà. Là, j'ai trois cartes, d'accord. J'ai la carte du destin, la carte de la chance et la carte du hasard, d'accord. Et là, j'ai une balance, représentée une balance, d'accord. C'est la balance, soit à droite, soit à gauche, qui peut faire pencher. Et là, j'ai une carte avec un parchemin où il est écrit « Dans la vie, tout est prévu, mais le libre arbitre est donné. » Ce qui veut dire, on va faire le tour à Véro. C'est Pascal, il n'est pas en forme ce soir. Je plaisante, oui, les conneries. Et donc, tout est écrit, d'accord. Véro, dans la vie, tu penses que les choses qui sont arrivées dans la vie, c'était dû au hasard, à la chance ou au destin? Ne réponds pas. Tu vas prendre la balance, tu vas mettre ta main sur la balance, tu vas la faire coulisser et tu t'arrêteras si ce qui t'est arrivé dans la vie, c'était dû au hasard, à la chance ou au destin. C'est ton libre arbitre, mais tout est écrit. Donc vas-y. Véro fait durer le suspense. C'est dû au destin? Oui. C'est ton choix? Oui. Donc, dans la vie, tout ce qui t'est arrivé, c'est dû au destin? Oui. D'accord? Retourne la carte, il est marqué destin. Votre choix sera le destin. Bien sûr, tu vas me dire peut-être que derrière chance, c'est marqué votre choix sera la chance. Non. Le hasard aussi, tu peux me dire peut-être que c'est marqué aussi derrière. Eh ben non. La seule carte où tu t'es arrêté, le destin, c'est la seule carte qui est écrite. J'espère que ce tour vous a plu. Ouais. Tour original. J'espère que... Voilà, commentez, abonnez-vous, prenez soin de vous, soyez sages, mais pas trop. À bientôt.